Le temps de libérer Fallujah est arrivé. C'est à la télévision que le Premier ministre irakien annonce à ses compatriotes le lancement d'une opération militaire pour reprendre la ville aux mains de Daesh. Située à 50 km de Bagdad, Fallujah échappe au contrôle du gouvernement depuis près de 2 ans et demi. Depuis plusieurs jours, les forces irakiennes préparent le terrain. La coalition internationale a mené plusieurs raids aériens dans la région et Bagdad a effectué des frappes sur la ville. Dimanche soir, le commandement irakien a demandé aux habitants de quitter Fallujah. Ils sont plusieurs dizaines de milliers encore présents. La bataille pour reprendre Fallujah s'annonce comme l'une des plus compliquées. Il sera difficile de déloger ce bastion sunnite de longue date où les djihadistes ont pu se renforcer depuis 2 ans. Mais le Premier ministre en est convaincu, la victoire est au rendez-vous.